La vie est un jeu. Un jeu dans lequel je n'ai pas vraiment accepté de jouer. Je vais plus dire qu'on m'a forcé. Dans ce jeu, tu auras des ennemis comme la haine et la jalousie et l'ignorance. Le but de tes ennemis est de te rendre moins clair. Avec eux, tu seras moins lucide. Ils te font dire et faire des choses horribles. Mais surtout, ils te feront souffrir. Ton amitié sera le bien le plus précieux que tu pourras offrir à quelqu'un. Mais attention, car certaines personnes ne le méritent vraiment pas. Ne verse même pas une larme pour eux, quoi qu'ils te feront. Ces personnes ne te méritent pas. Ce qui est vraiment important, c'est les gens qui t'aiment. Ça, c'est important. Rien ni personne ne t'appartient. Il n'y a rien ni personne qui n'est à toi. Même ton corps ne t'appartient pas, parce qu'à la fin de ta vie, il faudra le rendre. Mais se dire que rien ni personne ne t'appartient, c'est aussi une façon de se dire que si les gens sont là à côté de toi, c'est leur choix, c'est leur décision. Et personne ne les a forcés, c'est leur choix. Alors, arrête de douter des autres et arrête de douter de toi-même. Fais-toi confiance. On essayera de t'enlever tous tes droits, mais on y arrivera peut-être. Mais le droit qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est le droit de penser et le droit d'agir. Malgré tous mes conseils, tu feras des erreurs. Et tu souffriras, parce qu'il n'y a personne qui frappe aussi fort que la vie. Mais tu sais, l'important, c'est pas de frapper fort, c'est toujours se relever. Et tu sais, si tu ne t'aimes pas, les autres ne le feront pas à ta place. Parce que si tu cherches l'amour des autres avant ton propre amour, c'est comme si tu donnais à quelqu'un qui avait faim de l'eau. Alors oui, ça va faire en sorte qu'il n'aura pas soif, mais ça ne l'aidera pas. Alors, comprends ce que tu veux, va dans ta direction, et surtout, 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 mon dernier petit conseil, il ne faut pas que la vie dévore tes rêves, c'est plutôt tes rêves qui doivent dévorer ta vie. Alors fais-toi confiance et fonce, t'es une merveilleuse personne.